Elle retrouve les cours de tennis de son enfance. Un retour aux sources pour préparer une nouvelle année sur le circuit international. Marine Parteau attaque sa 7e saison professionnelle. Victorieuse de la 90e joueuse mondiale en 2018, 407e du classement au meilleur de sa carrière, la Poitevine navigue aujourd'hui autour de la 500e place. À 26 ans, sa motivation reste intacte. On peut se dire que 26 ans, 500e mondial, j'ai aucune chance d'y arriver, entre guillemets, si les gens pensent ça et qu'ils voient voilà, sur le papier. Mais voilà, moi, j'y crois encore. J'ai, comme je vous disais, des super victoires contre des filles qui sont hyper bien classées. Donc voilà, l'objectif, c'est d'aller jouer les grands chelems. C'est largement possible. Je me le suis prouvé à plusieurs reprises. Et voilà, je continue à donner le meilleur moi-même tous les jours pour avoir aucun regret dans ma vie. S'il y en a un qui croit en elle, c'est Samuel Prado. L'entraîneur de ses débuts à Valvert. Une collaboration auréolée d'un sacre de championne de France des 15-16 ans et d'un premier titre sur le circuit pro. Là, ton action est bonne, si tu veux. Mais comme tu es attentiste sur la volée, bah, le temps que tu attends, lui, il rentre et il te contre. Aujourd'hui, le technicien porte un regard concret sur ses axes de progression. Il y a plein de pistes d'exploitation, tennistique, tactique également, physique, bien sûr. Et puis après, il y a tout ce qui est suivi en compétition. Qu'elle a peu exploité parce qu'au vu de son classement et de son niveau, elle a du mal à avoir un encadrement sur toute la saison et sur toutes les semaines de la saison. Donc on est en train de rechercher des pistes de ce côté-là. Relâche tes doigts. En février, Jean-Charles Quillon devrait l'accompagner sur une tournée. Son entraîneur physique depuis son passage au Pôle France de Poitiers. La raquette bien devant la raquette. Prends toujours devant. Entre eux, une vraie complicité, un vrai plaisir de travailler. L'avantage avec Marine, c'est qu'elle apprend tout le temps. Tout le temps. C'est étonnant parce que j'ai eu beaucoup de joueurs et à un moment donné, ça stagne et elle progresse tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'elle adore le tennis, elle adore le jeu. Et donc, bah, quand tu adores les choses, et bah, tu veux progresser, hein, tout simplement. Sa volonté d'apprendre ne se résume pas au tennis. Bonjour François, j'arrive de l'entraînement. Meilleurs vœux. C'est Marine ? C'est moi. Marine Parteau suit à distance un cursus en sciences politiques. De quoi assurer son après-carrière, même si elle n'a pas encore d'idée précise pour sa reconversion. Pour le moment, c'est d'acquérir vraiment une bonne base de culture générale, un bon socle. Voilà, comme je le dis, voilà, toujours occuper mon cerveau en tournoi, lorsque j'ai des temps libres, dans les voyages. Toujours voilà, ne pas perdre mon temps et continuer de m'enrichir intellectuellement. Un bouillon de culture, un peu de récupération, avant de retrouver le grand bain des tournois internationaux. Cette saison, Marine Parteau veut se rapprocher des 250 meilleures mondiales.